Merci beaucoup à mes frères et sœurs pour me donner encore le temps pour parler dans vos vies. Merci encore pour me donner l'oreille. Je vous donne merci pour donner l'oreille et même donner l'oreille à la parole de Dieu. Oui, c'est avec plaisir que je vois que les gens sont en train de suivre sur tous les médias, sur les social médias, à la télé, les gens sont en train de suivre, eux, beaucoup ont contacté pour dire qu'ils sont bénis et que la bénédiction est en train d'augmenter. Alors, c'est pour moi une grande bénédiction de savoir que les gens sont bénis par la parole de Dieu que nous sommes en train de partager ensemble. Et je suis en train de croire pour beaucoup d'autres grandes choses. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, Twitter, WhatsApp, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, contactez-moi, ajoutez-moi comme ami sur Facebook. Ça sera un plaisir pour moi de savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie à travers ces messages. Et aussi, partagez avec vos amis. Partagez avec vos amis. Distribuez avec vos amis. Faites-le savoir que vous écoutez de bonnes choses, que vous écoutez la parole de la foi, pour que eux aussi puissent écouter la parole de la foi. Et tous ensemble, nous puissions plaire à Dieu. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée derrière la parole de la foi. Comme on a lu, comme on a vu dans d'autres vidéos, que c'est par la foi qu'ils ont plu à Dieu. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est dans le livre de Hébreux 11. Alors, c'est dans cette idée, c'est avec ce souci que je me suis mis à partager la parole de la foi. Pour que tous ensemble, nous puissions aller de foi en foi, nous puissions augmenter notre foi, pour que nous puissions tous plaire à Dieu. Ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il est là, qu'il existe. Il est celui qui reçoit ceux qui le cherchent. Il est celui qui se révèle à ceux qui les cherchent. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 20 écritures pour ta bénédiction financière. J'ai pris 20 écritures qui ont eu leur travail dans ma vie. Ces 20 écritures, je vais partager avec vous aujourd'hui pour que vous aussi, vous pouvez bénéficier de cette bénédiction de Dieu qui est pour nous tous. Alors, à travers ces 20 écritures, nous allons un peu voir des bonnes choses dans la parole de Dieu. Ce que je veux que nous puissions tous comprendre, c'est ceci. Dieu est bon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Alors, ça c'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui vont croire à Jésus, c'est eux maintenant qui ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, quand on devient enfant de Dieu, ça devient notre travail. Ça devient notre travail à nous maintenant de grandir en Jésus. C'est à nous de grandir à Jésus. C'est à nous. Dieu nous donne maintenant à nous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, quand il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dans ce pouvoir, nous avons la force de pouvoir prendre la Bible et lire. Nous avons la force de pouvoir se lever et partir à l'église. Nous avons le temps, la force d'assembler d'autres frères, avec d'autres frères et sœurs avec nous, pour qu'ensemble nous puissions lire, étudier la parole de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu vient quand nous passons notre temps à lire la Bible, à écouter la parole de Dieu, à aller à l'église, écouter les hommes de Dieu qui sont appelés pour nous enseigner, nous instruire. C'est comme ça que nous pouvons grandir en Dieu. Maintenant, le Seigneur veut que nous puissions grandir en lui. Alors, directement, je vais commencer par ces choses ici. Que les choses que je partage,
C'est pour les enfants de Dieu. Alors, si par exemple, toi, tu regardes et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu te dis, comment est-ce que ces choses peuvent être bénéfiques pour toi? C'est simple. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et prends une Bible. Donne ta vie à Jésus. Prends une Bible. Amène-toi à une église locale, une église qui n'est pas loin de chez toi. Demande au Seigneur de te montrer une bonne église à côté de chez toi où tu peux commencer à partir et connaître Jésus-Christ davantage. Amen. Maintenant, aujourd'hui nous allons parler des 20 écritures pour ta bénédiction financière. 20 écritures pour la manifestation de la manifestation de la bénédiction financière dans ta vie. On va lire notre première écriture, c'est Genèse 26, 12. Dans Genèse 26, 12, on lit que Isaac sema dans ses pays et il récolta cette année les centuples car l'Éternel le bénit. Isaac a semé et il a récolté. Isaac a semé et il a récolté. Alors, toute sémence que tu as fait, toute sémence que tu as fait dans ta vie, tu dois avoir une récolte pour ça. Tu dois récolter. Parce que ici, dans Genèse 26, 12, Isaac a semé et il a récolté dans la même année. Alors, c'est à toi de dire maintenant que tout ce que tu as semé, tu vas récolter. Tous les histoires que tu as semé dans les années passées, tu vas récolter ça, tu vas récolter ça aujourd'hui. Tout ce que tu as semé, tu vas récolter. Tout ce que tu as semé, tu vas récolter. Moi, aujourd'hui, je m'adresse directement à ce que tu as déjà semé. Aujourd'hui, moi, je parle déjà de ce que tu as déjà semé. Tout ce que tu as semé, toutes les choses que tu as semé, tout ce que tu as mis à gauche, tout ce que tu as semé à droite, hein, le Seigneur ici nous parle que l'enfant d'Abraham, Isaac, avait semé et il a récolté. Il a récolté. Maintenant, je te parle d'une récolte. Notre première écriture aujourd'hui, c'est que tu dois espérer la récolte de toutes semences que tu as semées. Tu dois espérer et tu dois demander une récolte de tout ce que tu as déjà semé. Tu dois demander si tu as les droits. Comme toi aussi, tu es aussi comme enfant d'Abraham. Tu as le droit de récolter. Tu as le droit de récolter. Je ne te parle même pas que tu dois encore semer. Non, on parle d'abord de tout ce que tu as déjà semé. On parle déjà de tout ce que tu as déjà semé, toutes les bonnes œuvres que tu as déjà semées, tous les temps que tu as donné, toutes les bonnes choses que tu as données, toutes les bonnes histoires que tu as dit, que tu as racontées à tes amis, tous les bons sourires, toutes les bonnes choses que tu as déjà semées, on appelle ça, j'appelle ça, par l'onction du Seigneur dans ma vie, j'appelle une récolte pour toi. J'appelle une récolte pour toi aujourd'hui. Alors, nous passons à notre écriture numéro 2. L'écriture numéro 2, c'est ce que nous voyons dans les livres de Deutéronome 8, 18. Nous allons lire. Deutéronome 8, 18, je lis. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Alors, dans Deutéronome 8, 18, l'Écriture nous parle ici que tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Rappelle
toi de l'Éternel ton Dieu. Mets dans tes pensées l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'amasser les richesses. C'est lui qui te donne des richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Rappelle-toi de l'Éternel ton Dieu. Mets l'Éternel ton Dieu dans ta tête. Mets l'Éternel ton Dieu dans ton cœur. Mets l'Éternel ton Dieu dans ton ventre. Mets l'Éternel ton Dieu dans ta bouche. Parle de l'Éternel ton Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la force d'amasser les richesses. C'est lui qui te donne la force de devenir riche. C'est lui qui te donne la force de devenir riche. Quand tu penses à Dieu, quand tu penses à Dieu, quand tu penses à Dieu, tu deviens riche. Quand tu penses à l'Éternel, ton Dieu, tu deviens riche. Alors, mets-toi à penser à Dieu. Alors, ceux qui se demandent encore la question, pourquoi devenir riche? Pourquoi devenir riche? La réponse est ici. La richesse, comme on lit ici, la deuxième partie de l'Écriture nous dit que, enfin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. L'alliance que nous avons avec Dieu, ici, elle est confirmée par des richesses. Par des richesses. Nous voyons l'alliance ici comme être confirmée par des richesses. Alors, si tu es arrivé au point dans ta vie où tu as déjà donné ta vie à Christ, où tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur notre Dieu, pense à l'Éternel ton Dieu. Pense à l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donne la force de devenir riche. Comme je fais. Je passe mon temps ici pour partager avec vous la parole de Dieu. Je suis en train de penser à l'Éternel, mon Dieu. C'est lui qui me donne la force de devenir riche. C'est lui qui me donne la force de devenir riche. C'est lui qui me donne la force d'accueillir des richesses. C'est lui qui me donne la force de ramasser des richesses. C'est lui qui me donne dans la force de l'Éternel. C'est là où j'avance pour ramasser des richesses. Pourquoi des richesses? Pour confirmer l'alliance. Pour confirmer son alliance qu'il a fait avec Abraham, l'alliance qu'il a fait avec Isaac, l'alliance qu'il a fait avec Jacob. Elle est confirmée en Israël par les richesses qu'ils avaient. Israël était un peuple à part. Israël était béni physiquement, spirituellement et financièrement. C'est quelque chose que tu dois accepter. Que maintenant, je me mets à penser à l'Éternel mon Dieu. Je me souviens de l'Éternel mon Dieu. Je pense à l'Éternel mon Dieu. Car c'est lui qui me donne la force d'accueillir des richesses. Maintenant, l'écriture numéro 3. Pour que tu puisses voir une soudaine manifestation des richesses dans ta vie. Écoute mon frère, écoute ma soeur. L'écriture, notre troisième écriture, nous allons prendre dans le livre de Deutéronome 28:12. Deutéronome 28:12 nous dit ceci. Deutéronome 28:12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel. L'écriture de Deutéronome 28 nous parle de la bénédiction de Dieu sur son peuple. J'ai tiré ici à partir des 12. Là où on nous dit que l'Éternel ouvrira le ciel pour toi, pour te donner la pluie, pour donner la pluie à ton pays à chaque moment, dans chaque saison. Tu auras la pluie qui vient de Dieu dans ton pays. Tu es un pays, ton cœur est un pays, ton corps est un pays, ta tête est un pays, tes pieds est un pays, ton ventre est un pays.
tu es un pays et tu as besoin de la pluie de Dieu. Le Seigneur ici te promet, le Seigneur ici te dit à toi qu'il va te donner la pluie. C'est à cette parole de Dieu, c'est à toi de prendre aujourd'hui et dire que je reçois la pluie de Dieu maintenant sur ma tête. Je reçois la pluie des eaux. Parce que c'est lui qui a promis, c'est lui qui a dit qu'il va ouvrir le ciel, son trésor, le ciel pour toi, pour te donner la pluie. La pluie de Dieu, elle arrive sur toi maintenant. Le travail de demain, c'est ce qu'on nous dit. Le travail de tes mains est béni par cette force de la pluie de Dieu qui vient sur toi. La force de Dieu qui vient sur toi, qui vient sur ton pays. Et les travails de tes mains sont bénis. Et maintenant, tu ne vas pas emprunter. Tu ne vas pas emprunter, mais tu vas prêter à toutes les nations. Les gens vont venir demander. Les gens vont venir demander chez toi. Parce que toi, à cause de la pluie de Dieu, tu es en abondance. À cause de la pluie de Dieu, tu es dans la bénédiction. Maintenant, les gens viennent demander les choses chez toi. Parce que tu es béni de Dieu. Parce que la pluie de Dieu est tombée sur toi. Cette pluie de Dieu est en train de tomber sur toi maintenant. Toi, reçois ça. Reçois la pluie de Dieu, la pluie de Dieu qui vient de la parole, qui vient de la parole de la foi. Reçois la pluie de Dieu et sors de la sécheresse. Reçois la pluie de Dieu et sors des dettes. Je commande tous les dettes de se lever et fuir de ta maison. Je commande, je dis à tous les dettes, esprit des dettes, lève-toi et fuis par la parole de Dieu qui vient au nom de Jésus-Christ. Par la parole de Dieu qui vient au nom de Jésus-Christ, je déclare le feu de Dieu pour brûler la pauvreté, le feu de Dieu pour brûler toute forme de dette. Et maintenant, la pluie de Dieu pour détruire tous les travaux de l'ennemi, la pluie de Dieu, le feu de Dieu pour détruire la sécheresse, faire fuir la sécheresse de ta maison, faire fuir tout le travail de l'ennemi, la pauvreté de l'ennemi dans ta maison. Je commande la pluie de Dieu de tomber dans ta maison. Parce que c'est le Seigneur qui a dit que lui-même va ouvrir le ciel pour te donner la pluie. Tu dois recevoir la pluie. Tu dois dire que non, c'est le Seigneur qui a dit qu'il va me donner la pluie et tout le travail de mes mains seront bénies. Alors reçois la pluie de Dieu. La pluie de Dieu dans ta vie pour amener un changement soudain dans ta vie. Là où il y avait les sécheresses, là où il y avait les choses noires, là où il y avait les choses qui n'avaient pas de nom, la pluie de Dieu va tomber et te faire jouir le plaisir de Dieu pour ta vie. Nous allons passer dans notre écriture. L'écriture numéro 4. C'est l'écriture que nous voyons dans les livres de Néhémie. Néhémie 2:20. Nous allons tourner là rapidement pour voir que 2:20, c'est la réponse que Néhémie donne à Sambala, Tobia et les autres. Ça, c'est la réponse de Néhémie. C'est cette réponse que je veux que tu puisses prendre aussi pour ta vie. C'est cette réponse, je veux que tu commences à répondre à tous les gens tout autour de toi. Tous les gens qui te parlent d'une façon que tu ne veux pas, d'une façon qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Tu sens que ce n'est pas ça la volonté de Dieu dans ta vie. Mais voici la réponse qu'il donnait. Parce que ça, c'est la réponse du servant de Dieu. Le servant de Dieu, Néhémie, a répondu de cette façon. Parce que ce n'est pas l'inspiration. Je suis sûr dans ma foi et c'est vrai. C'est pas l'inspiration de la parole de Dieu, c'est pas l'inspiration de l'esprit qu'il a pu parler de la façon dont il a parlé. Ça, c'est à nous aussi de prendre, d'être inspiré par la même, parce que c'est, nous avons le même esprit. Et c'est dans ce même esprit que je donne cette écriture, comme notre écriture numéro 4. L'écriture dit que je leur fis cette réponse: le Dieu de cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Les dieux des cieux, l'éternel, le Dieu vivant, les dieux des cieux, c'est lui qui habite dans les lieux célestes, les lieux très très élevés.
le Dieu des cieux, l'Éternel lui-même. C'est celui-là qui va nous donner succès. Nous, ses servants, nous allons nous lever pour bâtir. C'est le Seigneur qui va te donner le succès. C'est le Seigneur qui va te donner le succès dans ton entreprise. C'est le Seigneur qui va te donner le succès dans ton mariage. C'est le Seigneur qui va te donner le succès dans ton travail. C'est le Seigneur qui va te donner le succès dans ton ministère. C'est le Seigneur qui va te donner le succès. Voilà la réponse. C'est le Seigneur qui va me donner le succès. Alors, parce que c'est le Seigneur qui va me donner le succès, moi, je suis son servant, je vais me réveiller et bâtir. Je vais me réveiller et partager la parole de Dieu. Je vais me réveiller et faire mon travail. Je vais me réveiller et répéter la parole de Dieu. Répéter, parce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, les choses que je vous ai dit dans la chambre, les choses que je vous ai dit en cachette, publiez-les au toit, publiez-les sur le toit, publiez-les sur le toit. Maintenant, lève-toi, lève-toi. Et répète ces choses avec moi. Le Dieu, l'Éternel, mon Père, le Dieu des cieux, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est lui-là, c'est lui qui va me donner le succès. Alors je vais me réveiller et bâtir ma maison. Je vais me réveiller, je vais me lever et bâtir mon ministère. Je ne vais pas rester couché dans la peur, ne pas savoir ce qui va se passer dans la journée, ne pas savoir où partir ou quoi faire. Non, le succès vient de Dieu. Le succès que je vais exhiber, que je vais montrer, c'est un succès qui me vient de Dieu. C'est Dieu qui va me donner le succès. Alors, je me tiens debout pour partager avec vous la parole de Dieu. Alors, mon frère, alors ma soeur, tiens-toi debout. Tiens-toi debout et prends le succès que Dieu te donne. Prends le succès que Dieu te donne dans le nom de Jésus. Prends le succès que le Seigneur te donne par le nom puissant de Jésus. Prends le succès que le Seigneur met sur toi par l'Esprit Saint. Prends le succès de Dieu. Lève-toi et bâtis. Bâtis ta maison, bâtis ton mariage, éduque tes enfants, fais ton ministère. Si tu es une chanteuse, vas-y, fais ta chanson. Par le succès de l'Éternel. Par le succès de l'Éternel. C'est l'Éternel qui me donne le succès. Mon succès vient de l'Éternel. Alors je vais me tenir debout, je vais me mettre dans ma position et faire mon travail. Parce que cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. La force vient de Dieu. Ma force vient de Dieu. Mon intelligence vient de Dieu. La révélation que j'ai vient de Dieu. Alors toi aussi, ce que tu as, ramasse ce que le Seigneur t'a donné. Mets ça dans ta main. Prends les choses que Dieu t'a données, mets ça dans ta main. Dieu te donne le succès. Vas-y, lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Les gens qui sont en train de parler à gauche, ceux qui sont en train de parler à droite, ici, le prophète Néhémie nous dit que, il est dit que, mais vous n'avez ni pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ils n'ont ni pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors, pendant que les Tobija, les Sambala et les autres, ils parlaient dans les vents. Les gens qui sont tout autour de toi, ils sont en train de dire les choses qui n'ont pas de sens. Ils sont en train de parler dans les vents. Leur travail, c'est de stopper ta marche. Leur travail, c'est de stopper le travail que Dieu t'a amené pour faire. Le travail que Dieu veut que tu puisses faire. Le Seigneur veut que tu puisses bâtir. Le Seigneur veut que tu puisses te lever, te réveiller et bâtir. Le Seigneur veut que tu puisses être debout en train de faire le travail qu'il a mis dans tes mains. Lève-toi et fais le travail de Dieu. C'est le Seigneur qui va te donner le succès. Cela ne vient pas des hommes. Cela ne vient pas des hommes. Cela vient de Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu des cieux qui va te donner le succès. Prends le succès de Dieu. Avance dans la force de Dieu. Car la puissance de Dieu est sur toi. Reçois la puissance de Dieu que je suis en train de partager. Reçois la puissance de Dieu. La force, car la Bible nous dit que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la force. Dans la parole de Dieu, il y a la force, il y a la lumière, il y a l'esprit. Alors, reçois la force de Dieu, l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu pour te mettre debout et faire ton travail. Notre cinquième écriture, psaume 23, 1, c'est un psaume que c'est un psaume qui est vraiment populaire. C'est un psaume qui dit tout. Alors, si tu as le temps,
lis tous ces psaumes. Mais je vais prendre seulement, je vais lire seulement psaume 1:1. Je vais lire seulement psaume 23:1. C'est que, qu'est-ce qu'on lit dans le psaume 23:1? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, ma soeur. L'Éternel est mon berger, mon frère. L'Éternel est ton berger, ma soeur. L'Éternel est ton berger, ma soeur. C'est à toi de dire cette chose. C'est à toi. Ici, David n'a pas demandé la permission aux gens pour qu'ils puissent se lever et dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est à toi de dire cette chose pour toi. C'est à toi. Ça, c'est aussi une partie, une grande partie de mon enseignement. Une grande partie de mon enseignement, c'est ceci. C'est à toi de te lever et d'ouvrir ta bouche et répéter. Quelque part dans la Bible, on nous dit qu'il a dit ces choses ici pour que nous puissions les répéter. Ici, David, il s'est levé dans son courage. Il s'est levé dans sa foi pour dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais de l'Éternel ton berger. Fais de l'Éternel ton berger. Appelle-lui et dis que l'Éternel est mon berger. Dis-lui, mon berger, c'est toi l'Éternel qui est mon berger. Mets-toi en dessous de lui. Mets-toi sous la protection de Dieu. Mets-toi sous l'incline de Dieu. Mets-toi dans la couverture de Dieu. Entre dedans et dis que c'est l'Éternel qui est mon berger. C'est l'Éternel qui est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne veux pas aller mendier. Non, je ne veux pas aller mendier. C'est l'Éternel qui est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible ici a dit, je ne manquerai de rien. Alors, il ne faut pas avoir l'habitude et puis il ne faut pas écouter les gens qui commencent à dire que non, ici ils n'ont pas dit ceci, rien ici ne veut pas dire c'est ça, c'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, la Bible est claire. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok, moi aussi je répète, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète avec toi, répète avec moi mon frère, répète avec moi ma soeur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis en train de faire ces partages. Comme j'ai dit au commencement, que ça c'est pour les enfants de Dieu. Ça, les partages ici, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, c'est eux qui peuvent répéter et dire ces choses ici, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai tout ce dont tu as besoin, comme étant enfant de Dieu, tout ce dont tu as besoin, comme étant enfant de Dieu, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur va pouvoir à toutes ces choses. Parce que je sais qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui a donné, je vais dire ça, vite en passant, un enfant de Dieu, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de cigarettes, il n'a pas besoin de cocaïne, il n'a pas besoin de mauvaises choses. Alors, il ne va pas prendre cette écriture, il dit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans sa tête, il est en train de boire des cigarettes. Dans sa tête,